C'est pas Ibrahim. Celui qui est destiné à l'équipe. C'est mon cousin. Comment il s'appelle? Ousmane Ba. Il a quel âge? Il a ses 21 ans. 20? 21 ans. D'accord, il faisait quoi? Il étudiait déjà, mais il a déjà abandonné. Il a poussé en faisant la mécanique. La mécanique? Oui. Donc il est décédé quand? Le 10 mai dernier, tué lors de la manifestation. Dans quel quartier? À cause à Nasrullah. Oui. C'était, selon vos informations, c'était les militaires, les gendarmes, les policiers qui avaient tiré sur lui. C'est parce que ce jour-là, c'était le 10 mai. On était dans le quartier, c'était vers 13h. Il y avait plus de 3 pick-up, GIR, groupement d'intervention rapide, qui sont descendus brusquement. La gendarmerie. Oui. Ils sont descendus brusquement dans notre quartier. Et tout le monde a pris la fuite. D'autres sont rentrés dans les concessions et d'autres ont pris le chemin vers le terrain, en allant vers le terrain. Quelques temps après, parce que il y avait un groupe là qui avait fui dans les concessions, mais moi je n'avais pas eu le temps de fuir. Il y a un frère qui vendait le café, on était deux. Je lui ai dit de ne pas fuir parce que nous sommes déjà chez nous. Nous sommes arrêtés. Quelques temps après, j'ai vu les gendarmes qui ont ralenti à notre niveau. Quelques instants encore, ils ont continué leur chemin vers le terrain. Et ça, en ce moment, il y avait déjà le groupe qui avait fui vers le terrain. Ils ont pris le descendant vers le terrain. Arrivés au terrain, ils ont ralenti. Il y a un gendarme qui était à côté gauche du chauffeur, qui est sorti avec son fusil. Il a tiré une rafale sur la foule. En ce moment, j'avais garé ma moto derrière la cour. Je me suis précipité pour faire entrer ma moto dans la cour. Mais quelques instants plus tard, il y a eu des cris qui venaient de notre maison, soi-disant qu'on a tiré sur Bassman. On a pris la fuite partant vers le lieu. Arrivé là-bas sur les lieux, on a trouvé que déjà on a déjà transporté le corps à l'hôpital, dans une clinique dans notre quartier, le docteur Taibata, vers les 14h. Donc, arrivé, il y avait une foule, parce qu'on avait, il n'y avait pas l'accès pour l'hôpital. Quoi. Je me suis vu avec le médecin, il m'a laissé l'accès. Après, il m'a dit qu'il y a eu plus de 4 blessés par balle. Et il y a eu un cas de mort. Je lui ai dit de me montrer le cas de mort. Je suis rentré, j'ai vu effectivement c'était mon cousin qui est allongé. Donc, lui, il était décédé à la clinique là-bas ou bien le corps est venu là-bas? Le corps est venu là-bas, à la clinique. Il était décédé sur place. Donc, pendant tout ce temps, le corps était avec l'autorité ou bien c'était... Oui, parce que ce jour-là, on avait pu joindre le maire. La Croix-Rouge. Le maire nous a fait parvenir le numéro de la Croix-Rouge. On les a appelés, mais ils n'ont pas pu venir. Ils ont dit qu'il n'y avait pas la route, qu'ils n'ont pas accepté de venir. C'est en ce moment, moi-même, j'ai pris un de mes frères, on est parti déplacer un taxi, deux taxis même. Parce qu'il y avait un petit aussi qui a été brièvement blessé, parce qu'il a été broyé par le pick-up. Donc lui, il a été transporté en urgence à l'hôpital. Et l'autre taxi, c'est en ce moment, il y avait le deuxième corps qui était venu, l'autre petit, Ken Ousmane. Vous, votre corps, oui. Il était où? Le corps était où? Dans,
à la clinique du docteur Taibata. Après la clinique, après la clinique, est-ce qu'ils avaient transféré le corps à Yassine ou bien c'était... Oui, c'est moi-même et l'un de mon frère. On a transporté les deux corps parce qu'ils étaient deux. L'autre petit Tchénosoumane qui a été tué aussi, c'est les deux là qu'on a transporté le même jour à Ignace Dine. C'était quand? C'était le même jour. Mercredi. Oui, le mercredi, le même jour. Okay. Mais depuis lors, c'est les autorités qui géraient le corps. Donc c'est hier on vous a appelé maintenant? Oui, c'est hier parce que nous on voulait réellement qu'on restitue le corps et qu'on l'enterre chez nous. Mais fort malheureusement, ils nous ont fait savoir que ça serait impossible. Donc il faut qu'on accepte leur proposition, qu'on enterre les deux enfants ici. Donc ils n'ont pas pu nous restituer. Quelle est l'autorité qui vous a dit cela? Le parquet est le procureur général. Le de Dixin. Ce sont eux-mêmes qui nous ont imposé, soi-disant, que de faire l'enterrement ici, qu'on ne peut pas l'enterrer chez nous là-bas. Alors, vous avez fait l'enterrement aujourd'hui. Vous, en tant que famille de Baousmane, qu'est-ce que vous pensez et est-ce que vous avez un appel à l'endroit de l'autorité? Bon, quand même, nous, ce qu'on a dit depuis le début, dès le début, on m'a demandé. J'ai dit, nous, on ne peut pas porter plainte parce qu'on sait déjà la justice comment elle est. Donc, on ne peut pas porter plainte contre telle personne. Nous, on laisse la justice de Dieu. Donc, parce que c'est lui qui peut juger entre nous. Parce qu'on connaît la justice guinéenne. Même si on porte plainte, ça n'aboutira à rien. Donc, on a décidé de pardonner et de laisser à Dieu. Mais celui qui a tué notre frère là, nous, on n'a pas pardonné. On a laissé à Dieu. Maintenant, c'est Diallo Tcherno Mamadou Ouré. Celui qui est décédé, comment il s'appelle? Il s'appelle Tcherno Ousmane Diallo. Tcherno Ousmane Diallo. Il est qui pour vous? C'est mon neveu. Okay. Ah, dites-nous, il est décédé quand? Tcherno Ousmane Diallo est décédé le mercredi lors de la manifestation organisée par les forces vives de Guinée. Le mercredi à partir de 14h30. Okay. C'était où? Bon, c'était à Koza. Oui, Koza en descendant vers Nongo, là où il y a les rails. La nouvelle route qu'on a fait tout dernièrement là. D'accord. Là où il y avait le PA. C'était par qui? Est-ce que c'était l'armée qui était là ce jour ou bien la police, la gendarmerie? Ok, bon, selon les témoignages que nous avons reçus, c'est un individu habillé en tennis civil qui était venu tirer sur notre enfant. Mais selon les informations que nous avons reçues, c'est un garde rapproché du colonel Mamadi Doumbia, nommé un certain Youssoufou Silla. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui, depuis son décès, où se trouvait le corps? Bon, le jour qu'il est décédé, on m'a appelé. En ce moment-là, j'étais à Symphonia. Mm-hmm. Lorsqu'on m'a appelé, je me suis dirigé directement à Koza. Mm-hmm. On m'a indiqué qu'il se trouvait dans une clinique de Dr Taibata vers Temudula. Mm-hmm. Je me suis dirigé vers là-bas. Ça trouve que le Dr Taibata a fait son mieux. Il nous a demandé de déposer les deux corps au niveau de morgue de Ignace Dine. Donc moi personnellement, je faisais partie de l'équipe qui a déposé ces deux corps-là à la morgue là-bas. Ok, aujourd'hui, l'autorité vous a imposé d'inhumer vos parents ici, votre enfant ici. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous avez proposé? Est-ce que c'était votre choix d'envoyer le corps ici? Bon, ce n'était pas forcément notre choix, mais compte tenu de l'actualité, la tension qui se trouvait vers Koza là-bas, les autorités nous ont demandé, à travers le procureur général du pays de Dixing, que je remercie déjà. Il a fait son mieux. Il nous a expliqué pourquoi, durant tout ce temps-là, le corps se trouvait au niveau de l'autorité, parce qu'il devait avoir de l'autopsie, préparer les dossiers en cas de justice pour qu'on puisse se préparer conséquemment par rapport à ça. Donc nous aussi, à travers ces explications, nous avons compris que le procureur lui-même, il est préoccupé par la situation. Et nous avons fini par accepter sa proposition pour non seulement protéger les personnes qui veulent assister à l'enterrement, et pour éviter aussi d'autres violences. D'accord, alors aujourd'hui, il est déjà enterré. Qu'est-ce que la famille a dit? Est-ce que vous pardonnez aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Bon, ça, c'est un sentiment de déception, mais nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant ce moment difficile.
Nous remercions également la presse qui a fait beaucoup de travail pour non seulement montrer au monde entier ce qui se passe à Kouza là-bas. Donc c'est une occasion pour nous de remercier tout le monde, particulièrement à la presse aussi. La famille peut porter plainte. Parce qu'il ne faut pas laisser toujours ces gens-là faire des violences, dire que nous laissons à Dieu. C'est vrai, Dieu aussi va faire son travail, mais nous aussi nous allons nous lever, nous allons faire notre mieux pour poursuivre celui qui a tué notre enfant. Nous n'allons pas rester des bras croisés. Merci beaucoup.